Les 24 heures motonautiques de Rouen commencent tout doucement. Trois équipages de policiers, ils sont de Deauville, du Havre et de Rouen. Après un printemps à passer à encadrer les manifestations anti-CPE, les policiers rouennais emmenés par Cyril Cyr-Antoine sont en forme et leur objectif c'est de monter sur le podium. Les manifs anti-CPE nous ont bloqué 15 jours de travail, ça c'était clair, surtout à Rouen, on a fait beaucoup de sport, donc physiquement ça se passe bien. Bon là, avec la préparation énorme du bateau, un peu de fatigue d'accumuler, on sait, tous les ans on a toujours du retard et tout le monde aura toujours du retard sur des bateaux prêts, beaucoup à l'avance, il y en a, mais il y a toujours des impondérables qui viennent à la dernière minute. Bon, c'est un entraînement, on va dire, travailler la nuit sur le bateau, c'est un entraînement pour les 24 heures, parce que je dormirai pas. Quelle ambiance au commissariat de Rouen? Ah bah l'ambiance est bonne, hein, puisque dans l'équipe, il y en a trois qui sont comme moi, de la compagnie départementale d'intervention. C'est d'ailleurs ma section qui va travailler pendant les 24 heures, qui vont faire la sécurité autour du parc à bateaux et dans Rouen. Donc bah, j'aurai des spectateurs supplémentaires, j'ai des 20 fonctionnaires de police de la CDI seront au boulot, donc verront le bateau.